L'entreprise Weber Transport et Logistique est une entreprise de transport essentiellement. C'est une entreprise familiale. Donc, Madame Weber a succédé à son papa il y a 6 ans. Et depuis, elle a redressé, on va dire, l'entreprise qui a subi la crise à la fin des années 2000, la crise du transport. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui, par la dynamique de sa dirigeante, se projette dans l'avenir des transports. Alors, l'avenir des transports, elle l'a vu en grand parce qu'elle s'adosse, on va dire, sur ses forces et elle prend une partie sur la logistique. Donc, elle crée une plateforme logistique, une plateforme où elle va pouvoir préparer les commandes pour ses clients et va pouvoir aussi stocker les marchandises pour ses clients. Je suis admiratif de ces dirigeants d'entreprise qui s'engagent, qui osent, qui font preuve d'audace et qui ont de l'ambition. Madame Weber fait indéniablement partie de ces dirigeants. Elle porte un projet d'envergure, structurant pour l'entreprise, qui consiste à la construction d'un nouveau siège social et de ce site de logistique à Cernay. Madame Weber, envers ses collaborateurs, développe des valeurs humaines. Elle est proche de ses collaborateurs, les responsabilise. Une organisation à plat qui permet effectivement une réactivité rapide dans un monde fortement concurrentiel. Il est vrai que l'audace et l'engagement de Madame Weber, qui porte l'entreprise, est pour moi un facteur clé qui font qu'aujourd'hui, je souhaite qu'elle soit récompensée.